Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je me porte très bien. Et c'est grâce à Dieu, en tout cas, sans lui, on ne peut rien dans ce monde pervers et corrompu. Alors aujourd'hui, je suis là pour une autre vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour le partage, merci pour les commentaires, ça va trop cœur. Alors, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de partager et de liker. Ok? Je fais pas mal de vidéos. Je fais la cuisine, je fais les story time, je fais les blablabla et je montre un peu comment je prends soin de ma peau. Alors, si tu es intéressé par mes ces trois contests, like et abonne-toi. Ok. Alors aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, on va parler de miaou. Ok. Si ton miaou est comme la photo que je vais mettre ici là, si ton miaou ressemble à ça, voilà la solution pour toi. Ok. Alors, je sais que ce problème-là, c'est partout. Quand je dis partout, c'est partout. Depuis que j'avais découvert comment traiter l'acné, comment traiter les boutons, moi, je ne suis plus dans ça. Ok? J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Mon niaou est comme le niaou d'un enfant de 10 ans. C'est-à-dire, même c'est difficile, comme je fais tellement de soins, là, c'est difficile de voir les pores. Les pores sont devenus très fines. C'est-à-dire, c'est très lisse, mais vraiment très lisse. Très, très, très lisse. Et quand je dors, mon gars, la main dort toujours ici. Qu'on fasse quelque chose, qu'on ne fasse pas quelque chose, sa main, ça dort toujours ici. Parce que c'est tellement doux, c'est comme juste la peau, c'est tellement doux que tu as seulement envie de toucher. Ok? Alors, si ton miaou, ça ressemble à la photo qui est ici là, voilà ta solution pour retrouver. Voilà le médicament pour retrouver la solution à ton miaou. Ok? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin du glycolique acide ou bien glycolique acide toner ou bien le salicylique acide toner. Ok? Ça peut être le salicylique acide toner ou le salicylique acide et ou le salé clair. Ok? Tu auras besoin d'un gommage. Ok? Tu n'es pas obligé d'avoir le gommage comme moi. Parce que moi, les gommages là, j'achète et je rachète, je rachète, je rachète. Quand j'ai un peu d'argent, je fais mon stock. C'est comme ça, c'est comme ça. Ok? Tu n'es pas obligé d'avoir comme pour moi. Tu peux avoir n'importe quel gommage. Ok? Tu as besoin d'un gommage. Ou tu peux faire gommage maison. Ok? Avec le sucre. Ok, il y a beaucoup qui sont sur YouTube où on vous montre comment faire un gommage avec le sucre roux à la maison. Ok, si tu y tiens que moi je te montre comment faire le gommage maison, dis-moi dans le commentaire, je vais te montrer comment faire le gommage. Mais sinon, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Ok, tu auras besoin d'un hydratant. Ok. Ça peut être l'huile de jasmin. Je venais de parler de l'huile de jasmin. Ok? Ça peut être l'huile de jasmin. Ça peut être le beurre de karité, le beurre de mangue. Il y a beaucoup de beurre dehors là. Mais au final, tu as besoin d'un hydratant. Ok? Parce que ça, c'est les acides. Ça va exfolier. Tu vas gommer et puis tu auras besoin d'un hydratant. Ok? Alors, c'est parti. Quoi faire? La première des choses, enlève les poils avec un wax. Utilise le wax pour enlever les colles. Parce que quand tu utilises le wax, ça tire la racine. Ok? Ça tire la racine d'en bas.
Et puis à la longue, si tu fais ça trop souvent, à la longue, les poils seront très difficiles à pousser. Ok? Et puis quand tu waxes, ça prend à peu près 3 semaines pour voir les poils commencent à pousser. Vraiment 3 semaines. Et moi, comme je le fais un peu plus souvent, vraiment, je fais même 4 semaines. Des fois, ça peut, tu peux sentir il y a des cheveux qui veulent sortir. Ça fait seulement un peu des taches noires. Mais vraiment, pour voir les cheveux, j'en ai pour 4 semaines. Bien calculé, 4 semaines pour commencer à voir. Donc, pour me waxer encore, il faut que j'attende 4, 5, 6 semaines pour me waxer encore. Parce que ça prend du temps pour pousser. À moins que je dis seulement, ok, je vais seulement passer un wax là et puis ça va être propre. Et ça va être et que ma peau look nice. Ok, sinon si je dois attendre, c'est vraiment dans les 5 semaines et la 6e semaine que ça pousse. Ok, si tu le fais souvent, comment on appelle ça, la racine de ta poêle se fatigue et puis, voilà, Donc tu as besoin de ces 3 choses. Après que tu te waxes, ok? Moi, je le fais le même jour que je me waxe, puisque je me waxe moi-même, le même jour que je le waxe, je prends ma douche et dès que je finis, je passe un, comment on appelle ça? Toner, ok? C'est un toner fait pour le visage, mais tu peux l'utiliser sous les aisselles, tu peux l'utiliser sur ton miaou ici, là, ok? Sur ton pubis. Ok, tu peux l'utiliser. Tu as besoin de coton disque. Ok, tu imbibes le coton, tu frottes ça bien, 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 bien. Tu attends quelques minutes que ça sèche. Si tu n'as pas le glycolique acide, achète le salicylique acide 2% à Walmart. Ça fera le même job. Et le salicylique acide est même plus recommandé parce que ça pénètre deep la peau. Ok? J'utilise souvent le salicylique acide et le salicylique clair. Ok? Celui-là, il va exfolier et tu vas voir les petites peaux s'enlever. Tu vas vraiment voir comme tu as vu sur la photo, sur ma photo sur Community, comme ça m'a pilé les, comment on appelle les bras, les genoux, parce que j'avais appliqué pour exfolier. Ok? Alors. Tu vas mettre ça ou le salicylique acide toner, ok? Tu passes ça, fais ça matin, soir, matin, soir, matin, soir, après avoir te lavé. Si tu utilises celui-là, tu fais ça matin, soir aussi, matin, soir ou soit une fois par jour, parce que celui-là est plus fort. Celui-là, c'est un toner. Ok, c'est pas vraiment fort comme celui-là. Il va pas exfolier comme celui-là va faire. Ok, donc c'est à toi de choisir ce que tu veux utiliser. Ne mixe pas les deux parce que les deux c'est les acides et ça va te causer problème. Choisis un. Ok, ou ça, ou le salicylique clair, ou le salicylique acide de 2% de Walmart. J'en ai ça, j'ai oublié ça là-bas. Donc c'est toi qui vas faire le choix. Ok. Tu passes le toner là bien, 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 bien. Tu attends. C'est séché, tu ajoutes un hydratant. Tu peux ajouter ça, l'huile de coco, le beurre de karité, le beurre de cacao, le beurre de mangue, n'importe quel hydratant, mais qu'il faut que ça soit vraiment un hydratant fort. Un hydratant qui contient la vitamine I très fort. Tu peux acheter même la vitamine I, mettre là-bas, ou la vaseline, bien appliquée. N'oublie pas que la vitamine contient, la vaseline plutôt contient la vitamine E. Ok? Tu frottes ça là-bas et tu pars dormir. Fais ça matin, soir. Au bout de 3 ou 4 jours, tu gommes. Ok? Au bout de 3 ou 4 jours, tu gommes. Tu finis de gommer, tu pars avec la même chose. Toner, hydratant. Toner, hydratant. Toner, hydratant. Tu vas voir que ton miaou va, les boutons vont finir. Les boutons qui poussent, les poils incarnés là, vont finir. Et si les poils poussent, ne t'en fais pas. Tu peux gommer même quand tu as les poils. Ok? Tu peux appliquer.
quand les poils commencent à pousser, tu peux appliquer. C'est vrai que ça ne va pas bien toucher la peau, mais tu peux l'appliquer. Il n'y a pas un problème quand les poils vont commencer. Tu peux gommer, tu peux appliquer ton toner. OK? Et fais ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et les poils vont pousser, vont pousser, vont pousser. Tu vas encore te waxer et tu vas reprendre le traitement. Et au fur et à mesure, tu vas voir que ton miaou va devenir. Tu vas voir que ton miaou n'aura plus de bouton. C'est-à-dire, quand ton gars va passer la main là sur ton miaou là, ça sera lisse. Ça sera lisse. Ça sera doux. Ça va rendre la peau très doux. Alors, ne dis pas que j'avais pas partagé. J'ai déjà parlé de ça, maintes fois. J'ai déjà parlé de ça ou j'ai déjà parlé de ça. Alors, si ton miaou te complique, voici la solution pour toi. Ok? C'était juste une update. Ok? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés de trouver ça, mais ne t'en fais pas. Il y a le salicylique acide toner de chez Le Ordinary. Ça va t'exfolier bien, bien le miaou. Tu vas retrouver ton miaou. Mais n'oublie pas, il faut avoir un hydratant. Il faut avoir un hydratant. Ça va bien nettoyer. Ça va bien enlever les taches. Et pour les mamans dans les Tchatcholandes ou les mamans des syndicats ou les membres des syndicats, à la fin, si vous voulez éclaircir là-bas et vous pouvez éclaircir quand vous allez mettre votre lotion éclaircissante. En gros, là, ça va juste passer tout. Ça va juste aller dans cosse. Alors, j'espère que j'ai partagé le secret et ça va aider une ou deux femmes. OK? Alors, je vous embrasse très fort et je vous dis merci du très fond de mon cœur. Je vous retrouve sur une autre vidéo. Bisous. Bye bye.